Apparemment, cette nuit, il a dû faire un petit peu plus froid, mais je m'en suis doutée parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai senti le froid un peu dans mon dos. Et là, Kylian, ce matin, il est allé voir un peu le trampoline et donc il est revenu avec dans sa main plein de glace. Donc c'est confirmé, il a fait beaucoup plus froid ce matin. Donc en attendant que l'atmosphère se réchauffe, parce que le soleil est levé depuis un petit moment, mais on est toujours à l'ombre, donc il faut attendre qu'il soit vraiment plus haut pour qu'on puisse se réchauffer. Et donc on essaie de, en attendant que le soleil se lève, on essaie de rester au chaud. Donc Kylian, lui, il est dans les couvertures et je lui ai fait du lait chaud. Vraiment faire rentrer de la chaleur à l'intérieur du corps parce que c'est le seul moyen qu'on a finalement de vraiment se maintenir au chaud. Bon ben avec Kylian on a décidé de visiter un petit peu le village, de s'acheter des petites cartes postales, des petits trucs. Il fait encore vachement froid mais là on va partir pour aller voir les houles du diable et également la cabane de l'eau. Alors là, le chemin se finit en piste. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Cette fois-ci, on va faire le pique-nique avant. Comme ça, ça va nous éviter d'avoir à porter toute la nourriture, quoi. Donc ça fera une randonnée un petit peu plus agréable. Alors bien sûr, on emmène toujours avec nous notre saucisson d'Auvergne pour ne pas risquer un dépaysement trop fort. N'est-ce pas, chaton? Pour cette randonnée, j'ai décidé de partir un peu plus léger en termes de vêtements parce que c'était assez lourd, mon gros manteau, mais bon, malgré tout, en descendant, j'ai commencé à avoir froid, donc j'étais contente de le mettre. Là, j'espère que j'aurai pas froid, quoi, c'est un pari. Bon ben pour le moment c'est une petite randonnée assez facile puisque on marche sur un sol plat et puis c'est sympa, ça change un petit peu d'ambiance puisque on est en forêt. T'as un truc à dire toi? Bon sang. Me for who I can't go back to. Walking through.
va bientôt arriver à la petite cabane en fait du berger là que Kylian vous disait qu'on vient de croiser. Et bon, on se fait une petite pause en cours de route avec des princes, voilà, et on a vraiment un beau temps et la vue est superbe. On va retrouver la voiture. Oui, on va retrouver. On va faire un petit goûter. Oui. Et on va peut-être s'acheter des bonbons hamburger. Oui, mais aussi des araignées. Aussi la canette en bonbons. On a tout un programme gastronomique. Oui. Donc là, on est dans la salle commune du gîte, qui est également sur le lieu du camping. On est en train de manger un plat gastronomique. Une boîte de choucroute en conserve. Il n'y a pas mieux pour récupérer les forces. C'est bon ? Ça. On se régale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vas-y, goûte. Allez, non, pas le fil de choucroute. La baie de choucroute. Ah, c'est des crêpes. C'est pas une grotte, non. C'est des baies de genièvre. Non, c'est des crottes. Non, c'est une baie de genièvre. Elle dans une crotte. Non, regardez-moi ça. Non. T'as craché ta baie de genièvre. Et la pièce. C'est là. Là. Voilà. Regarde à moi. C'est trop près. Non, mais t'as touché. Regardez-moi ça. C'est un crottin. Ça, c'est un vraiment crottin. Allez, mange. Vous voulez manger ce truc? Là, de attention, ça va fumer. Ça ne veut plus filmer. Ça fumait, ça ne veut plus filmer. Coupe alors. Si tu veux nous revoir, moi et ma maman, alors abonne-toi.